Bonjour et bienvenue dans ma chaîne vidéo sur le site Être Créateur, Marc Fleurier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect que je considère essentiel, une question que vous êtes peut-être posée, c'est par quoi commencer dans cette démarche d'éveil et de bonheur. C'est une question qu'on m'a souvent posée, puisque en fait, vous avez un champ illimité et j'ai fait récemment une vidéo avec mon ami Sébastien Sauchard où je parlais qu'il y avait différents niveau d'éveil, et le premier niveau d'éveil c'était l'éveil du corps physique. Donc une des possibilités effectivement pour commencer, ça peut être ce travail sur le corps, ou bien par exemple un travail d'apprivoisement des émotions. En même temps, il y a tout un ensemble de compétences mentales, et là aussi moi j'ai commencé par ça et je voudrais attirer votre attention dessus. Une des compétences les plus importantes à mon sens que vous pouvez faire pour vous embellir la vie, pour rayonner ce que vous êtes, c'est l'esprit critique, c'est le discernement. Actuellement, toutes les informations sont disponibles sur Internet, dans les livres, donc vous pouvez entendre tout et n'importe quoi. Donc, une des capacités les plus importantes, c'est pas de récupérer l'information, c'est de filtrer l'information, c'est de discerner celle qui est importante de celle qui est secondaire, de celle qui est vraiment essentielle, de celle qui va vous aider, de celle qui est en quelque sorte une distraction, de voir celle qui est même carrément fausse et que vous invite dans des fausses distractions. Alors, évidemment, dans les voies d'éveil, c'est d'aller en soi, c'est toutes les informations essentielles vont vous ramener l'attention vers ce qui se passe en vous, vers ce que vous êtes, et tout ce qui va être par exemple des distractions, c'est ce qui va vous amener à chercher le bonheur par exemple dans les expériences matérielles, dans les objets. Donc ça, c'est un critère de discernement, de voir est-ce que ça m'emmène à l'extérieur de moi-même, ou est-ce que ça me ramène à l'intérieur de ce que je suis, de ce que je vis, à mon niveau d'énergie, à mes aspirations, à mes sentiments, à mes émotions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc regardez comment développer aujourd'hui ce discernement. Est-ce que ces informations, elles vont vraiment changer ma vie, ou bien je peux les laisser passer et les jeter. Et en développant peu à peu cette qualité d'analyse, vous allez éviter de vous perdre dans des flots d'informations et avoir des flots de pensées comme beaucoup de gens ont, mais vous pourrez vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez-la, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'éveil de la conscience.